La Fondation a vocation à promouvoir la qualité dans les constructions, la sécurité sur les chantiers. Tous les 4 ans, nous organisons la remise des trophées Excellence SMA qui permettent de valoriser les actions que mettent en œuvre les artisans, les entreprises du BTP pour éviter les sinistres, poser et réaliser des ouvrages de qualité. Nous avons donc sélectionné les meilleurs dossiers en termes de prévention des risques, qualité, sécurité routière. Et on a attribué donc 5 prix aux entreprises qui nous semblaient être les plus vertueuses, que ce soit en matière de prévention des risques ou également ce que l'on avait ajouté cette année, la préservation de l'environnement, l'encouragement à l'économie circulaire. On a eu un coup de cœur tous pour une entreprise de la Mayenne, Mingui Charpente, qui, à côté donc de sa démarche vertueuse sur les chantiers et la prévention des risques, a souhaité en fait récupérer toutes les chutes de bois non traitées qu'elle pouvait avoir, qui sont liées au chantier. Nous avons la spécificité de travailler le bois et de ne le traiter qu'après l'avoir ouvragé. Ce qui fait que tous les, ce qu'on appelle déchets, c'est-à-dire les sciures, les copeaux et les chutes de bois, que, par cet effet non traité, on a réussi à trouver un assemblage de machines qui fasse qu'on peut les broyer pour en faire un paillage et y mélanger les copeaux et les sciures en les pressant pour en faire des briquettes de chauffage de bois densifié. C'est beaucoup plus facile pour les gens de venir les chercher, beaucoup moins de transport, 4 fois moins de volume et 5 fois plus de calories. Donc, qui dit mieux ? L'assureur que nous sommes est extrêmement intéressé à valoriser les bonnes pratiques, parce que qui dit bonne pratique, qui dit démarche de prévention, dit moins de sinistres. Donc à terme, comme nous sommes une mutuelle d'assurance, les primes d'assurance baisseront automatiquement. Et c'est ça qui nous fait dire que c'est gagnant-gagnant la prévention. Parfait, merci.